matériel qu'il me faut pour peindre. Petit kit de soins modélisé par mon ami Orange Art. Super joli, super bien reproduit ce petit kit de soins. Tu le vois en forme de petite boîte. En plus, normalement, dans le fond ici, il y a marqué Peanut 3D. C'est mon arrobase de compte Twitter. C'est super stylé. Donc merci Orange Art. Je t'invite à aller voir sa chaîne qui est dans la description. Il fait tourner son print à 360 degrés. Il filme, ça dure 15-20 secondes, il met ça sur sa chaîne. Donc allez voir parce que vous allez en prendre plein les yeux. Au moment où tu regardes cette vidéo, le fichier de la trousse de soins est disponible sur Thingiverse dans la description. Comme ce fichier m'appartient, comme les autres, le V-Buck et la gourde du brave, je vous les mets à disposition sur Thingiverse sur mon profil. N'hésitez pas à aller la télécharger, l'imprimer, la peindre et me poster toutes vos photos. Et n'hésitez pas à aller remercier Orange Art car sans lui, cette vidéo n'aurait pas été possible. Désolé pour le bruit ambiant, mais je suis encore en train d'imprimer des trucs, tu le vois. Et là, on va s'attaquer au masquage. On va protéger du coup le côté, on va protéger la croix qu'on laissera en blanc pour peindre ensuite à la bombe rouge directement le centre ici. On finira ensuite tout le contour ici, la démarcation on la finira au Posca noir. Et puis on aura un très très beau kit de soins qui nous servira de petite boîte et pour mettre un peu tout et n'importe quoi comme tu veux. J'ai hâte de voir le rendu final. De toute façon, quand c'est Orange Art qui modélise, généralement je ne m'inquiète pas, ça va être forcément joli. Donc allez, on perd pas de temps, on se met au travail. Ok, donc le masquage est fait, tu le vois. Donc là, ici, bah, j'ai tout bien protégé. Comme ça, j'ai juste à mettre la peinture rouge sur le dessus là. Une fois que ce sera bien sec, enlever le scotch tout simplement pour laisser apparaître le blanc. Normalement, ça va être nickel. Et de ce côté là, on a l'autre partie, le petit cul, avec bah, pareil, la même chose. Donc j'ai protégé l'intérieur pour éviter que la peinture rouge aille à l'intérieur et garder le côté vraiment blanc à l'intérieur. Mais voilà, là on a un bon petit masquage. On va prendre la peinture et puis bah c'est parti, on va attaquer la peinture là-dessus. Ça va être très rapide. Allez, on y va. On arrête tout, on arrête tout. Je voulais faire genre, je suis blessé et tout, je me suis pris une balle et tout, il faut mon kit de soins. Je ne sais pas jouer à la comédie et au montage, j'ai pas la capacité pour faire ça. Bon, avec ça, comment tu vas? Comment t'as trouvé la vidéo? Perso, je me suis encore éclaté. Dans le même délire que la fameuse M4 que j'ai là, je suis parti sur un montage qui m'a fait kiffer, je dois avouer. Et tu le vois, j'ai ce kit de soins, bah, qui est juste là. Il est tout beau, il est tout propre, tu le vois, il est tout prêt. Regarde ça, il est beau, hein? Ah, il est beau, petit kit de soins. Il est assez grand, je sais pas ce que t'en penses, j'aurais pu le faire encore plus gros, mais déjà, je peux te dire que. Ça te fait quand même une très belle boîte. Tu vois, tu peux mettre des trucs à l'intérieur. Ah, mettons le portefeuille. Le portefeuille, il rentre, mon gars, voilà. Non, ça peut te faire une petite boîte de rangement. Tu mets ce que tu veux dedans, hein. Mais je veux dire, la modélisation est super. Y a rien à dire, c'est facile à peindre. C'est à la portée de tout le monde, du masquage, du scotch, la peinture, tac, t'enlèves le scotch, c'est fini. Le petit contour que j'ai fait là au Posca. Le fichier est absolument superbe. Je sais pas ce que t'en penses, mais on peut difficilement faire mieux actuellement. Le rouge pétant, le blanc, le noir, il y a tout qui est, il y a tout le détail. En plus, ça te fait vraiment une petite boîte, tac. Alors un peu difficile à ouvrir et fermer, il faut un petit peu travailler les contours là, mais autrement c'est top, franchement c'est vraiment top, j'en suis très content. Donc merci encore à Orange Art. Si jamais t'as une imprimante 3D, si jamais tu veux te la procurer, tu veux l'imprimer, je t'ai mis le lien dans la description. Ça se passe sur Thingiverse, sur mon profil Thingiverse en tant que créateur, on va dire. Donc tu peux retrouver le V-Buck, tu peux retrouver la gourde du brave et tu peux retrouver du coup ce kit de soins. Et en tout cas, si t'es encore là sur la vidéo, que ça t'a plu, que t'as trouvé le montage sympa, le kit de soins sympa, et ben t'hésites pas à me le dire dans les commentaires, t'hésites pas à laisser un énorme pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça soutient. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Active la petite notification histoire de louper aucune vidéo. Proposez-moi dans les commentaires quel autre petit objet t'aimerais que j'imprime sur le thème de Fortnite. Si je dois faire un petit récapitulatif, pour l'instant en petits objets, j'ai fait la grenade répulsive, j'ai fait le kit de soins, j'ai fait le V-Buck, la gourde du brave. Là je te parle de tous les items qui n'ont rien à voir avec les armes. Il manquerait quoi? La petite grenade fumigène, mais apparemment ils vont l'enlever. Ah oui, j'avais oublié la grenade boogie woogie aussi. Il faudrait que je fasse peut-être les bandages. Les bandages, c'est comme le kit de soins. Les popos, genre la toute petite popo de 25 et la grosse popo de 50. Étant donné qu'avec l'impression 3D, ça va être compliqué d'avoir
d'avoir quelque chose de sympa et de réel, comme avec des pots en verre et du liquide réel, ça va être compliqué à faire en 3D. Après, si vous voulez que je vous les fasse en verre, comme tout le monde l'a déjà fait, dites-moi. Ça m'enchante pas plus que ça, mais au pire, pour le second degré, on peut le faire. Et autrement, bah, restez bien connectés sur la chaîne, parce que je vous prévois du très très lourd. Si vous avez kiffé cette M4, je peux vous assurer, je peux vous garantir que vous allez kiffer une de mes prochaines vidéos. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse là-dessus. C'était Peanut. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Prenez soin de vous. Attention à votre santé. Et si ça va pas, le petit kit de soins. Je vous dis à bientôt. Ciao. Oh là là, excellent, excellent, j'adore.